Saint-Jean, vous avez parlé d'un seul feu qui a ravagé une cinquantaine d'habitations dans la basse ville en 1682. Mais essentiellement, les feux à l'époque, c'était par exemple en 1640, un feu célèbre où Marie d'Incarnation va laisser un témoignage des Ursulines. Il va y avoir le séminaire également. Le palais de l'intendant en 1713 avec trois victimes. Et puis, un des plus célèbres en 1755, peut-être le premier incendie criminel à Québec, c'est l'Hôtel-Dieu qui brûle. Et on soupçonne deux marins qui n'étaient pas satisfaits, dans le fond, de ce qu'ils avaient reçu comme service à l'Hôtel-Dieu, d'avoir tenté de mettre le feu. Mais on sort de l'église, là c'est en soir avec le Saint-Sacrement, et on se promène en procession jusqu'au lieu du feu. Parfois ça marche, et là dans les annales religieuses, on dit effectivement, Dieu est intervenu pour calmer le feu. Puis quand ça ne marche pas, bien on dit probablement qu'il s'est trompé, il n'a pas été capable de l'éteindre. Mais vous voyez qu'on rit bien, mais c'est très important parce qu'on parle souvent de punition. L'évêque va dire les Montréalais ou les gens de Québec ont été punis par le feu. L'élément important, c'est que la Société du feu, autour de 1829-1830, se dit « là, il faut que ça devienne un organisme public ». Et comme on fonde la Ville de Québec en 1833, eh bien là, on ne change pas fondamentalement la façon de faire les choses. Cependant, à partir de ce moment-là, on constate, on reconnaît que c'est une responsabilité publique. Journée chaude et venteuse, le feu se déclare vers 11h dans les tanneries Osborne et Richardson sur la Araco. Un nouvel incendie se déclare le soir du 28 juin 1845 dans un hangar à l'extérieur de la porte Saint-Jean. Un vent violent souffle et rapidement les flammes se propagent d'un toit à l'autre, si bien que le faubourg Saint-Jean est à son tour réduit en cendres. Cette conflagration cause des dommages presque aussi considérables que la précédente. En tout, les deux incendies laissent plus de 20 000 personnes sans abri, détruisent au moins 3 000 maisons et autant de dépendances et causent environ 50 pertes de vie. Entre la moitié et les deux tiers du territoire bâti de Québec est en cendres. La haute ville, fort heureusement, échappe à la destruction grâce aux fortifications, aux promontoires, et par des règles de construction en pierre et en métal mieux appliquées et davantage à la portée des propriétaires. Donc, sur des pertes totales évaluées à plus de 2,6 millions de dollars, seulement 13% sont couvertes par des assurances, soit environ 350 000 dollars. À quoi bon être couvert par des assurances quand on ne peut pas voir la couleur de notre argent? C'est qu'on va développer par la suite des murs coupe-feu. Par exemple, la rue Caron, dans Saint-Roch, est en l'honneur de René-Édouard Caron, un des maires de Québec de cette époque-là, et elle est un petit peu plus large, justement, pour servir de mur coupe-feu. Et ça va être la même chose avec le boulevard Langelier. Après les incendies de Saint-Sauveur en 1889, on va donner le nom de boulevard Langelier au maire Langelier de l'époque, mais surtout, on va élargir la rue pour s'assurer que c'est une conflagration. Eh bien, on ne déborde pas, puis on n'embrase pas toute la ville au complet. Monsieur Lemoine, en 1845, lorsque se déclarent les deux feux qui ravagent la ville de Québec, où en étions-nous, tant pour la prévention que pour la lutte aux incendies? Comment la ville de Québec s'attaquait-elle à cette question? Bien, on sait qu'à cette époque-là, depuis 1840, on a à nouveau une municipalité à Québec, on a un comité du feu, et c'est encore sur une base volontaire que les gens participent à ces équipes qui, dans la ville, vont travailler à éteindre les incendies. Donc, il n'y a pas eu énormément de progrès. On sait bien que si on avait un aqueduc à Québec, on réglerait une large partie du problème. Donc, on va essayer de pousser le plus possible pour lancer un projet d'aqueduc. Permettez que je vous présente. Je vous en prie. Merci. Narcisse Fortuna-Bello a le profil du politicien traditionnel de cette époque-là. Ce qu'on doit à M. Bello, maire de Québec en 1850-1853. Il a été élu dans le Faubourg Saint-Jean. Il avait un bureau d'avocat sur la rue Saint-Louis. Et il va effectivement prendre la décision politique d'engager plus d'un million de dollars d'argent emprunté en Angleterre, à la banque Barings, pour payer l'aqueduc. Et également, il va se rendre compte que si on creuse les rues de la ville pour faire un aqueduc, il faudra poser les égouts en même temps. Le projet comprenait notamment la construction d'un barrage et d'un château d'eau.
Ils étaient situés à la Jeune Lorette. L'eau provenait du lac Saint-Charles et descendait par gravité via des canalisations placées sous la terre. Et je suis très fier de dire que c'est en 1854 que Québec inaugure son système d'aqueduc avec Bornefontaine. On peut dire que la situation commence à s'améliorer lorsqu'on va construire un autre troisième tuyau de 40 pouces. On a rajouté un 30 pouces pour la haute ville, on a gardé le 18 pouces. Et lorsque Montcalm et Limoilou s'annexent à Québec, on est obligé de rajouter un 40 pouces. Et on va régler ce fameux problème-là dans les années 30, lorsqu'on va construire le réservoir sur les plaines d'Abraham avec des travaux de chômage qui vont permettre de régulariser le débit de l'eau partout dans la ville. Votre action n'a peut-être pas eu tous les mérites, sire, mais c'est tout de même mieux que l'inexie. Je vous remercie, madame. Et j'ajouterai, puisque certains ne sont pas assez délurés pour s'en rendre compte, que vous aviez un nom tout à fait approprié, sire. Belle-Eau. Ce qui n'est pas votre cas, madame Belle-Humeur. Aujourd'hui, le service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec, c'est 16 casernes, 418 pompiers à temps plein, dont un minimum de 88 pompiers en tout temps en devoir. Au moment où je vous parle, il y a au moins 88 pompiers qui sont en devoir dans la Ville de Québec, prêts à répondre à un appel. Les moyens de communication, c'est évidemment un des éléments qui a tout changé au niveau de l'incendie. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes d'alarme qui ont des détections reliées directement à des centrales, ce qui permet de détecter ou aviser les pompiers sans même qu'il y ait personne à l'intérieur des bâtiments. Mais si on revient un peu dans l'histoire, ce qui est important, ce qui va faire la différence entre le fait que les pompiers vont se présenter sur un incendie mineur ou un incendie très majeur, c'est le délai d'appel. Quand on sait qu'un incendie va doubler d'importance à toutes les 2 ou 3 minutes, imaginez sur quoi se présentaient les pompiers à l'époque. Évidemment, il y a eu évolution. À un moment donné, on a vu apparaître les boîtes d'alarme dont M. Lemoine parlait tout à l'heure. Les boîtes d'alarme, c'est des boîtes qui étaient sur le coin des rues à l'extérieur, duquel il y avait un déclencheur à l'intérieur, et ça actionnait tout un système qui avisait les casernes qui avaient un début d'incendie. Par la suite, est arrivé le téléphone résidentiel. Là, on a gagné du temps. Imaginez aujourd'hui, tout le monde a en sa possession un téléphone cellulaire. Ça veut dire que chaque personne a sur elle un moyen de communication qui permet d'aviser les pompiers instantanément dès qu'ils voient quelque chose de louche. Donc, l'évolution des moyens de communication a fait un impact majeur au niveau de l'incendie. C'est ce qui fait principalement qu'aujourd'hui, toute statistique étant égale, on a à peu près le même nombre d'incendies qu'il y a quelques années. Cependant, les incendies sont tous beaucoup plus petits dans l'ensemble.